Ouais, il faut faire le ménage dans mes oreilles. Bon. Et ça marche, hein? Il y avait beaucoup de buée. Ah, ça y est, la ventilation a enfin fait l'effet. Ouais. Et comment t'as fait pour partir quand tu seras là-haut? Je vais redescendre avec toi peut-être, on sait pas encore. Je prendrai le 299. Ouais, mais je peux prendre un pour revenir. Non, parce que là on est à Saint-Marc. Avant tu prends le 319 ou 119, tu vas à la gare de Maxi pas les autres. Ah ouais. Ah mais Maxi pas les autres, c'est pas RATP ça. Si tu peux. RATP. Mais moi je quand je viens par le RR, je peux. Ouais. Ouais, mais c'est pas RR, c'est RRT. Ah ouais, c'est le B. Ouais. Ouais. Bon, bah, ouais. Tu peux prendre le B. Tu gardes du Nord, je sais pas si c'est pas du Nord ou la station de France ici. Jusqu'à Robinson ou Massy Palito. Ou je crois même le tout en bas, mais je suis pas sûr. Bonjour.
pas de voir jusqu'à. Ouais, jusqu'à demain ou à Stratin. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il donne sur la. Ouais. Jusqu'à jeudi. Le soleil revient vendredi. Mais ça va pas être non plus fulgurant parce qu'il fera que 22. Voilà. Dimanche, ça monte à 26. Ils nous avaient prévu un été super chaud, je sais pas où ils ont vu ça. Ah, c'est bon. Ou alors ça va arriver, mais la vague de chaleur qui est là-bas sur le continent américain va peut-être arriver jusqu'ici. En Espagne, là, je crois. Ouais. Ils ont. Ils ont dit ça moi, sur les journaux. Là. Ah, j'espère pas parce que. Ah, bah, ils ont marqué 50 plus de 40 degrés, c'est invivable. Encore que vous avez la clim dedans, c'est bien ça. Ouais. Mais dans les anciens matériels. Ah ouais, je sais pas. Est-ce qu'elle fonctionne bien au moins? Ça va. Ouais. On se plante pas. Parce que dans l'escalier, c'est pas terrible. Quand je roulais sur le 208, là, je mettais la clim parfois. Parfois, j'avais l'impression que. Je vérifiais si ça fonctionnait, mais. Ça fonctionnait, mais c'était pas. Il n'y avait pas de quoi se relever la nuit, hein, franchement. Dans les Iveco, dans les Urbanway, là, ouais. Marchait bien la clim. Ah ouais. Bonjour. Non, celui-ci, c'est là, c'est là. On sent la clim. Et sur les écrits qu'on a à mon goût, les œillères, c'est un peu vite. Ah ouais. Ah bah si tu mets la clim, tu perds en autonomie après. Ouais. Eh oui. Est-ce que sur les électriques là? Oui. Batterie quand elles sont chargées là toute la nuit, le matin quand tu prends la bagnole, est-ce qu'elle peut durer jusqu'au soir, genre faire trois services? J'arriverai, ouais. Ouais, sans avoir besoin de le recharger. Ouais, parce que je me souviens que j'ai fait des services de nuit. Ouais. Et ouais, la batterie, mais elle était pas. Bah, elle était descendue. Ouais. Mais j'ai quand même fait durer mes services. Et je devais faire, si j'étais sur 128, je devais faire 5 minutes. Mais ça a tenu. Là, il faut pas que ça descende au-dessus de 15% ah. Ou 20% de ce que j'ai vu. Ouais. Bon, bah, ça va si ça peut rouler toute la journée sans avoir à le recharger. Ouais, les dimanches surtout. Ouais, ils font là du matin au soir. Et en hiver aussi, pareil. Ouais. Même si on met le chauffage à fond, tout ça. Ouais, ça va, ça tient. Ça tient. Voilà, c'est un sol droit. Je me souviens. Et après, c'est tout droit. Là, tout droit. Déjà, tout droit. C'est pas dur. Non, c'est pas dur. Mais elle est accidentelle juste parce que
tu traverses de côté des voitures. Que ce soit 200. Si c'est en dessous, il faut le charger à la charge rapide. Ah, le gaz ? Ouais. Oui, 200 bars. Ouais. Ah, chez nous, à Créteil, ils nous laissaient sortir avec 150. Ouais, non. Il faut que ce soit 200. Ouais. Moi je travaille la nuit là, c'est 19h, 2h. Quand ça? Demain. Demain? Ah, j'en avais fait beaucoup des nuits sur le 297, ouais. Ouais. C'était sympa. Oui, les nuits, c'est sympa. Mais comme c'est férié, ça va aller. Ah mais oui, c'est vrai, demain c'est le 14 juillet. Ouais. Il va être beau le feu d'artifice sous la pluie. Bonjour. Bonjour. Chacun son pied. Ah, on a encore chopé une vedette là. Ah, ben c'est. Là, hier, je n'avais rien. C'est il était complètement. Oui, ils sont les. Ah, ils sont pas tous enfermés, hein. Ou le. Bon, les. Comment ça s'appelle ? Le GPSR ? Ouais. Tant qu'il n'emmerde pas les gens. Moi, c'est quoi une gueule comme ça ? Ouais, mais c'est vrai, malheureusement. Il y a 7 milliards. Ah, tout seul, bon. Non, ça va. Allez, à Munda, on n'a pas même sautant. Mais c'est pour la vie. Et tout là, ça va faire un pas. Pour le c'est bien masse, tout comme ça, ça va. Ouais, il va descendre avant Anthony, je le sens. Il y a un peu de temps.
Bonjour. 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 Et juste au moment où j'allais repartir, il est revenu. Ouais, je l'ai vu traverser devant moi juste avant que je parte. Mais à 2 secondes près, tu vois. Et hop, il est remonté. Oh. Et après, il est descendu au gobelin. Au gobelin, d'accord. Bonjour. Bonjour. Ah, il est descendu, là. Bonjour. On dirait. Oh, on n'entend plus. Là, il va aller peut-être passer son après-midi au comptoir du bistrot. On a eu d'autres des vedettes comme lui dans ta carrière. Oh oui, j'en ai eu quelques-uns. On les compte plus. Hein. Après, je me dis toujours, bon, le mec, il parle tout seul. Tant qu'il n'emmerde pas les voyageurs. Tu sais, il y a des gens, ils sont pas tous bien dans leur tête. Qui ont été bercés trop près du mur, donc ça les a pas aidés. Hein. Oui. Une fois j'en ai eu un, c'était sur le. Par contre, celui-là, j'ai fait venir le GPS hier. Sur le 306. Bonjour. J'arrivais à la hauteur de. Je venais de passer le plateau et je descendais vers le parc du plateau, vers le sens Leclerc. Et il y a une dame, elle vient, elle me dit, excusez-moi monsieur, il y a un voyageur au fond du bus, il a un cutter à la main, il menace les gens. Voilà, qu'est-ce que c'est? Donc j'appelle, le mec il me dit, fais une alarme discrète et tu t'arrêtes. Donc je fais une alarme discrète, mais je lui dis non, je m'arrêterai pas, parce que si je m'arrête, il va descendre, le temps qu'ils arrivent, il sera parti. Je lui dis, je continue mon itinéraire, tout doucement. Et il y a les warnings qui clignotent, donc les gars du SEC, ils sont censés connaître nos itinéraires, donc ils vont me rejoindre. Ouais. On a dit bon, ok. Et j'ai bien fait parce que tu vois, j'ai fait l'arrêt parc départemental du plateau, et puis j'ai fait l'arrêt du centre Leclerc, il est resté. Il y a beaucoup de gens qui sont descendus. Et l'arrêt suivant, c'est. Je me souviens plus le nom de l'arrêt. J'ai vu arriver le GPSR en face. J'ai dit c'est bon, ils sont arrivés juste en face, ils sont garés devant, hop, ils sont montés, ils l'ont serré. Et puis je suis reparti. Et en fait j'ai appris qu'ils lui avaient simplement confisqué son cutter et puis ils l'ont laissé partir. Tu vois ? Thank you.
Sur le 208, pendant des années, on en avait un à Champigny. Ouais. C'était un Turc. Ouais. Il était complètement ravagé par l'alcool aussi, celui-là. Ouais. Il montait, il restait toujours devant, puis il insultait les gonzesses. Tu sais, il disait comme ça, il avait une voix... Il se mettait devant, puis il disait « Je suis Turc, je suis Turc. » Puis dès qu'il voyait monter une nénette, il la regardait, il disait « Poufias, connasse. » Et lui, il a pris des coups de poing dans la tronche. Hein. Ah, bah, quand même, ouais. Parce qu'il y a des voyageurs qui venaient le voir en lui disant « Excuse-moi, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. » Boum. Et puis, j'ai appris qu'il était décédé il y a quelques années. Là. On en avait un autre aussi, toujours sur le 208, parce qu'à Champigny, il y a un paquet de cafos. Hein. Il s'appelait Abdel, c'était un ancien boxeur. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il se mettait, le mec? Oh là 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 là. Il montait dans le bus, il tenait pas debout. Il s'appuyait comme ça. Il était gentil, hein. Mais, salut chauffeur, ça va, ouais, ça va. Hey, t'as vu ma montre? Regarde, j'ai acheté une belle montre. Et vas-y Abdel, va t'asseoir. Mais non, j'ai pas envie de m'asseoir. Et un jour, je l'ai vu passer, il avait trouvé une copine. Elle était comme lui. Et je les ai vus passer au Mordac. Ils se tenaient par le cou, tu sais, tous les deux, et ils marchaient en biais comme ça. Ils se retenaient l'un l'autre pour pas tomber. Oh, le couple infernal. Et puis j'ai appris aussi, il y a quelques années, que le pauvre, il est mort. Il est tombé du quatrième étage. Oh. Un soir de beuverie, il a voulu aller sur le balcon fumer une cigarette. On ne sait pas ce qu'il a fait, il est tombé. Oh. Et un jour, je me souviens, il était parti au bled, 2 mois je crois, et quand il est revenu, il était en super forme. Je le vois, il monte, il dit « Bonjour, tu vas bien ?» Il parlait normalement, il marchait normalement. Je lui dis « Abdel, qu'est-ce qui t'arrive ?» Bah, il me dit « Arrête, je reviens du bled. » Bah, je dis « Alors ?» Bah, il dit « J'ai pas vu depuis 2 mois. » Bah, je lui dis « Reste comme ça, tu te sens pas mieux ?» Il dit « Si, si, je me sens mieux, t'as raison. » Bah, je dis « Reste comme ça, pourquoi ?» Ne te remets pas à boire, tu vois. Il dit non, non, il dit je vais essayer. Bon, du coup, on a discuté pendant tout le trajet, il était complètement différent, tu vois. Oui. Et puis bon, après, ben, il a repris. Hein. Il a repris l'alcool, malheureusement. Et le pire de tout, c'est que tu sais, quand tu arrêtes comme ça, quelque temps, et que tu reprends encore plus. Ah oui, là, c'est comme moi, à chaque fois que j'arrêtais de fumer, j'essayais d'arrêter de fumer, j'y arrivais pas, je reprenais, je fumais encore plus qu'avant. Mais l'alcool, c'est la même. C'est pire. Un jour, je faisais un 208A et devant moi, il y avait un 208B. Et on arrive tous les deux en même temps à l'arrêt mairie de Champigny. Il était là, sur le trottoir, complètement déchiré. Et le bus fait son arrêt. Et lui, il a voulu s'appuyer comme ça sur le cul du bus, tu sais, pour se retenir. Malheureusement, il a démarré au même moment. Sa main, elle a loupé le bus. Oh, il est tombé sur le côté comme ça. Oh, le folklorique. Et du coup, il était devant moi, j'étais pas allongé par terre, je pouvais pas partir. Bonjour. Il y avait des vedettes. De cet arrêt là. Ouais. C'est marrant. Ça fait un peu comme sur le 281 quand on rentre, il y a un arrêt où on rentre comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Là où c'est le terminus du 372. Ouais. Alors, Lui fiche, ouais. Alors là, des fois, quand tu arrives avant de rentrer sans l'arrêt, tu vois s'il y a du monde ou pas. Donc, ouais. Tu rentres ou tu rentres pas. Et puis parfois, quand j'étais en avance un peu, bah, je dis tiens, je vais rentrer, ça va me faire perdre 1 minute. Tu essayes de réguler comme ça, tu vois. Voilà. C'est pour ça, l'autre jour, il y en a un, il m'a demandé en commentaire, pourquoi tu es rentré à Louis Fisch. Je suis rentré à Louis Fisch parce qu'il y a un arrêt. Bon, s'il n'y a personne, théoriquement, on va tout droit. Mais là, si je suis rentré à Louis Fisch,
C'est certainement parce que j'étais en avance. Et donc, ça permet de perdre un peu de temps. Ici là, il faut la faire, c'est sinon la chef de ligne apparemment elle habite dans le coin. Ouais. Donc elle peut voir où tu fais starer le nom. Ah, mais tu sais que les ROL maintenant ils ont une application sur leur téléphone, ils peuvent chez eux, ils peuvent suivre tous leurs bus, comme ah ouais? s'ils étaient au crime. Ah ouais? Ouais ouais. J'avais. C'est le ROL du 208 qui m'avait montré ça. Sur leur téléphone, ils peuvent avoir la même chose que ce que le mec au crime il a sur son écran. Et avec tout ton nom, ton matricule. Ah, je sais pas s'il y a le nom et le matricule, mais il a ses petits drapeaux de bus, tout ça, il voit les départs, il voit tout. Et donc, il y en a, ils surveillent comme ça maintenant. De chez eux. Avant, on en avait, moi je me souviens, on avait des REL, enfin des chefs de ligne, à l'époque on appelait ça un chef de ligne. C'était des vicieux. Ils habitaient sur l'itinéraire de la ligne et ils sortaient quand ils étaient de repos, ils se cachaient derrière les arbres, ou les, puis ils surveillaient tout, ils notaient les heures de passage, tout ça, puis après ils collaient les rapports. Ah, il fait un parti colis. Ah ouais, certainement. Non, ça va, j'ai trois tours à faire. Hier matin, j'ai fait trois tours à nuit. Les nuits, t'en fais quatre. Ouais. Ouais. Ça, la nuit, c'est pour rouler. Ouais. Bon, en même temps, t'es pas emmerdé la nuit ici. Ouais. Ah, je pensais qu'on avait du monde, mais ça va. Il y a quelques jours, c'était pire. Hein, parce qu'à l'arrêt, j'étais déjà blindé à mort. Pourquoi t'en as pris une blessure? Il y avait encore des cols, peut-être? Un peu, ouais, mais aussi, on était. T'étais déjà en vacances scolaires ou pas? Non, on n'était pas encore. Ah, bah, il y avait encore des cols alors. Ouais. Bon. Bonjour. Belle terrasse là, mais aujourd'hui c'est mort. C'est vrai. Oh, dis donc. Qu'est-ce que ça a changé? Il n'y avait pas ce stationnement là. Ah, ah. Seule voix, ça pue. Oui, ça pue. Oh, oui. Ah, c'est bizarre. Ouais. La famille. Moi aussi, il est mort. Vous faites une place, hein? Ah ouais, peut-être. Centre aéré, peut-être. Bonjour. Allez, venez. Bonjour.
C'est pas lui. Bonjour. Plein de fois. Les mains sur le nez, hein. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez descendre à quelle heure? Toutes les lignes à Montrouge à l'époque, sauf le 88, puisque quand il a été créé le 88, j'étais à Saint-Maur au détachement. Je suis revenu à Montrouge pour parce qu'ils avaient besoin, ils ont rapatrié tous les détachés à l'époque, puisque comme ils ouvraient une nouvelle ligne, ils avaient besoin plus de machinistes. Donc je suis revenu, j'ai repris mon roulement, mais j'en ai jamais fait du 88. Je n'ai pas pu voir les dernières vidéos parce que là, avec le problème de connexion internet, ça fait plus de 3 semaines qu'on est pris, qu'on a plus internet. Non, j'aime bien ta chaîne, franchement. Ouais, elles sont là, je crois, hein. Ça n'a pas le temps. Hein. Bah, le collègue là qui vient de commencer sa chaîne, là, il a fait le 131, une navette du 131, là, je sais pas si tu l'as vu. Si, j'ai vu le titre, mais j'ai pas pu la regarder. Et, bah, du coup, il fait pareil, quoi. Il a acheté la même caméra. Ouais. Et voilà, il s'est lancé, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, hein. Et du coup, c'est quoi sa chaîne à lui? Comment? C'est quoi sa chaîne à lui? Ah ouais, chacun la sienne. Non, il fallait. Ça aurait été dommage qu'ils me disent tiens, j'ai filmé ça, je te le donne, tu le mets sur la chaîne. Autant qu'ils fassent sa propre chaîne. Ouais. Bonjour. C'est cool. Parce que moi, le problème, c'est qu'une fois que j'aurai déménagé, je ferai peut-être plus de vidéos. Hein. Donc lui, il prend le relais, c'est bien. C'est bien. Mais il est en hors ligne. Il est hors ligne. Ouais. Ce serait bien qu'il y ait un gars qui fasse ça dans tous les. Dans chaque centre bus, un mec qui fasse ça, tu vois, ça serait pas mal. Ouais, c'est pas bien, ouais. Après, bon, t'as des gars, ils vont te dire oui, mais j'y connais rien. Mais c'est pas grave, faut se lancer. Moi, quand j'ai commencé, tu vois, je sais pas si tu vois mes premières vidéos du 393, c'était des morceaux de 10 minutes. Ouais. Parce que je savais pas qu'on pouvait les recoller. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris. Hein. Avec le 1080, avec le CTLIS. Ouais. Là, c'était une longue vidéo. T'avais quoi comme caméra avant? C'est la première que j'ai eue, je l'avais achetée en 2015, je crois. Là, parce que t'as commencé en 2015 à filmer. Ah ouais, j'avais acheté ça en 2015, c'était une caméra chinoise HD normale, quoi. Ouais. Mais c'était une vraie caméra d'action. Ouais, c'était. Je sais plus comment ils avaient appelé ça. Parce que tu sais, on pouvait afficher la date et l'heure sur les vidéos, là on peut. Bonjour. Pas avec celle-là. Bonjour. 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 Si j'avais su, tu vois, quand j'ai acheté, ça c'était la première caméra que j'avais acheté là. Bon, la qualité était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais si j'avais su, j'aurais acheté direct. Si ça, je pense que ça existait. Je sais pas si ça existait déjà la 4K 6, ouais. Mais ça devait coûter cher. Ouais. Parce
que si j'avais pu, j'aurais dû acheter une 4K direct. Comme ça, j'aurais filmé mes voyages aux États-Unis en 4K. Et là, du coup, là, toutes les vidéos que tu as fait sur ton voyage, en fait, tu as tout remasterisé, on va dire. Ben non, en fait, moi je les ai gardés, tous les originaux. J'ai gardé ça sur un disque dur externe. Oui. Et puis l'autre jour, je me suis dit, tiens, parce que j'étais en train d'en regarder une sur ma chaîne et je me disais, c'est longuet. Donc j'ai essayé de les refaire en les raccourcissant un peu, en supprimant des passages qui servent à rien. Et puis tu vois, en faisant quelques modifications par rapport aux premières. C'est pour ça que je les ai repostés. Les diaporamas, c'est pareil, avec les photos des États-Unis, je les avais fait en 1080. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais les refaire en 4K, ça sera quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des télé 4K. Oui. Si tu regardes ça sur une télé, c'est bien d'avoir du 4K. Oui. Bonjour. 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 En fait, quand j'ai fait ça, je pensais à mon pote Jean-Luc. Et lui, il a une belle télé 4K. Et comme il a eu un accident il y a quelques mois de ça, il s'est fait shooter par un scooter. Oh, et il a fini avec une fracture du bassin, je ne sais plus trop quoi. Et là, c'était il y a 3-4 mois, je crois déjà. Ah oui. Au moins 4 mois facile, il rentre seulement chez lui, là, après-demain. Ah ouais. Et donc, comme il va avoir du retard à rattraper, je me suis dit, en même temps, comme ça, lui, chez lui, parce qu'il habite au 4e sans ascenseur, et il va pas descendre de chez lui tous les jours, tu vois. Ah ouais. Et donc, je me suis dit, comme ça, il aura de quoi regarder. Ah oui. Et en 4K. Ouais. Il n'y a pas de chance, il traverse chez lui, il traverse en bas de chez lui, dans les clous, hein, dans les passages piétons. Il y a un mec qui est arrivé comme une balle avec un scooter, bon, il lui a fait faire un vol plané d'ici jusqu'au passage piéton. Oh purée. Et les gens, y a des gens qui ont réussi à prendre un bout de la plaque, mais les flics, je crois qu'ils n'ont pas retrouvé le mec. Il s'est barré, bien sûr. Une espèce de vache. Mais qui doit rouler sans assurance, tu vois, donc on va pas s'arrêter. J'espère qu'ils vont le trouver. Hein. Ah, j'espère aussi qu'ils vont le trouver. Mais tu sais, ils ont d'autres chats à fouetter, les flics, c'est ça. Ah, mais le problème. Bon, il a failli passer quand même. Ah, ouais, il a failli passer. Dans les passages piétons, en plus. Ah, en plus. Et toute la journée, il y a des gens qui traversent n'importe où, n'importe comment, il leur arrive rien. Et lui, il traverse dans les passages piétons et se fait shooter. C'est agaçant qu'on se met ensuite dans la rue là. Du coup, t'es obligé de faire sur la route principale. Ouais. Bonjour. J'ai aussi participé à la cagnotte là où tu avais demandé. Ah ouais, ouais. C'est gentil. Ouais, j'ai complété le reste en fait. C'est gentil. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé de l'argent, mais en anonyme. Je sais même pas qui c'est. Moi, il y a mon nom, mon prénom. Ouais. Bah voilà, tu vois, c'est. Là, j'ai racheté il y a peu de temps, j'ai racheté cette cage là, de transport parce qu'elle est en alu et elle est plus aérée parce que j'avais des problèmes de chauffe, de surchauffe. Ouais. Et ça vaut 50 balles, hein, cette cage en alu. Ouais. Et la vache, ils s'emmerdent pas les mecs, 50 euros pour un truc comme ça. Et là, hier, je me suis commandé une micro SD 256 Go.
Parce que 128 c'est bien, mais parfois ça suffit pas. Ouais. Quand t'as des longues lignes comme j'ai fait l'autre fois par exemple, bonjour. Le 351 là, bonjour. Le tour complet, ça a rempli la carte noire. Bonjour. Je suis arrivé, on est arrivé, j'ai eu de la chance, juste dans les derniers mètres en arrivant bonjour. En nation, elle s'est arrêtée. Elle était pleine. Donc avec une 256 gigas ça devrait le faire, je devrais pouvoir filmer au moins pratiquement 6 heures dessus. La fois si tu veux, j'en ai acheté une, la plus grande à 500 et quelques. Ah non, je peux pas mettre plus que 256. Et je sais même pas, faut que j'attende de la recevoir pour tester parce que quand j'avais acheté la caméra c'était marqué max 128. Et en fait, j'ai vu sur le site du fabricant max 256. Ça va être la surprise, j'espère que ça va marcher. Parce que ça vaut 45 euros une 256. Ah oui. Et j'ai pas pris parce que j'ai pris SanDisk, la marque. Ouais. SanDisk Extreme. À 48 euros je crois. Après il y a SanDisk Extreme Plus à 80 et quelques euros. Et après tu as SanDisk Extreme Pro 92 euros. D'accord. Et, bon, la différence c'est les vitesses d'écriture-lecture. Bonjour. Bonjour. En fait, cette caméra-là, elle a besoin d'une carte rapide, puisqu'elle fait des fichiers. Les fichiers qu'elle crée, ils ont un débit de 100 mégabits secondes. Il faut que la carte mémoire soit rapide, sinon ça marche pas. Les GoPro, c'est pareil. Ça fait des gros fichiers comme ça. Bonjour. Bonjour. Ah, il est 13h. On est arrivé bientôt là. Oh ouais. On va pas arriver, c'est bon. Là. Ouais. Surtout dans ce côté-là, on est plus emmerdé. Ah bah là, plus tu te rapproches de Paris. Et aussi dans le côté, quand tu es vers Antony, c'est ça. Après la Côte d'Arnie, là aussi. Ah, la Côte d'Arnie aussi. Ouais. Et à l'autoroute et tu prends le 6.
T'as déjà eu des pannes avec le bus? Des pannes? Ouais, des pannes. Ouais, deux, trois fois. On les connaît beaucoup. Moi j'en ai eu. En deux ans, j'en ai eu. Deux problèmes aussi. Moi, je dois en avoir eu sur mes 27 ans, je dois en avoir eu, allez, on va dire, au maximum 4 ou 5. Je me souviens pas être tombé souvent en panne. Alors, bon, au début, le SC10 c'était incroyable, ça tombait pas en panne. Et là, tu vois. Et puis après, bon, les Agora ça allait. Les R312 aussi, c'est pareil, ils étaient assez fiables, mécaniquement. Les pannes, ça commençait à venir avec à partir des Citelis. Voilà. À partir du jour où il y a eu l'ouverture à la concurrence et qu'ils ont commencé à acheter des bus à l'étranger, c'est là que les pannes ont commencé à venir. Tu verrais ce qu'ils sont embêtés avec les Solaris et les Scania. Là. Ah, c'est beaucoup assez... Ah ouais, pourtant les Solaris et les Scania, ça fait déjà plus d'un an qu'ils sont là. Et ils ont toujours des problèmes avec, il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Il y a un Solaris qui est resté immobilisé pendant un moment, je sais pas s'il a repris, s'ils ont résolu le problème, il avait les portes qui s'ouvraient en roulant. Oh, d'accord. Et ouais, et ça normalement c'est impossible, tu vois. Ah bah oui. Et donc ils l'ont immobilisé pendant je ne sais pas combien de temps, ils n'arrivaient pas à trouver de quoi ça venait. Et en plus, comme c'est des bus neufs, ils n'ont pas le droit d'intervenir sur certaines choses, donc ils sont obligés de faire venir le constructeur. Oui. C'est pour ça que souvent on avait des voitures Solaris qui venaient là, au dépôt. Les mécaniciens de chez Solaris venaient. Scania c'est pareil, les bus quand ils sont vendus ils sont garantis 10 ans et alors il y a certaines choses où ils ont le droit d'intervenir mais d'autres où ils ne doivent pas toucher tant que la garantie n'est pas terminée. D'accord. Ouais, moi aussi j'ai eu des problèmes avec le Simis Itaro. Attends, je me souviens une fois j'étais sur 139 sur le dernier tour en plus. Une petite descente comme ça, tout s'éteint. Oh. Et j'étais sur toute descente. Hein. Donc le frein ne répondait plus. Ouais. Ouais, j'ai dû mettre le frein de frein. Parce que sinon j'allais dans le décor. Ah oui, tu m'étonnes. Et une fois, c'était. Je commençais mon service, même pas un tour complet. Je fais une course, pareil tout ces temps-ci, enfin mon siège il commence à se vider, impossible de mettre le FAE, ouvrir les portes, quoi d'autre, le frein de part qui se bloque aussi, donc je m'arrête, et là c'est la panne complète, et j'étais heureusement en arrêt, mais j'ai attendu quand même 3 heures, hein, ah, une canisse. Ah bah la PG... Le temps qu'ils interviennent, s'ils sont déjà occupés ailleurs. Ouais. Ils ont que deux camions. C'est dans l'ordre des appels. Hein. Après, c'est sûr qu'ils doivent aussi agir en tenant compte de là où tu es arrêté. Ouais. Là où tu es tombé en panne, si ça gêne, si ça gêne pas. Ah non, ça gêne pas. Les bus pouvaient passer, tout le monde aussi. Si tu tombes en panne dans une rue en sens unique et que tu bloques le quartier, là je pense qu'ils doivent se dire on va y aller tout de suite. Bonjour. Bonjour. Mais maintenant, je sais pas si tu as remarqué, quand tu tombes en panne comme ça, avant on t'envoyait la PG, maintenant c'est le dépôt qui vient de dépanner. Ah ouais. Ah ouais. Avec ils ont une camionnette et puis et en dernier recours, s'il n'y a pas de solution, on appelle la PG. Il m'est arrivé, la dernière panne que j'ai eue, c'était sur le 393. Ouais. Petit carreau, je venais de partir de la gare de Sucy.
Et il y a un 308 qui était derrière moi, qui m'a klaxonné, il m'a doublé, il m'a dit tu perds tout ton liquide de refroidissement à l'arrière. Je me suis arrêté, j'ai été voir, effectivement ça coulait dehors. Donc j'ai appelé, j'ai attendu pas longtemps parce que c'est le dépôt qui a dû me dépanner. Et en fait, ils avaient un problème sur tous ces bus-là, c'était des Citelis, ils étaient presque neufs. Mais il y avait un problème au niveau d'une durite qui avait été mal conçue et qui pétait. Donc le gars, il est venu, il a mis sa bassine en dessous, il a enlevé le restant de liquide de refroidissement. Après, il a changé la durite, il m'a refait le plein de liquide et je suis reparti. Avant les 15. En temps, c'était tellement merveilleux que. Peut-être te mettre un peu de temps. Peut-être, mais bon, c'est pas sûr. Donc, on a le local qui va quitter sa voie. Ah, oui, je suis là. Ouais. À droite. Hein. Ouais, sinon, t'as un autre là-bas. Ouais. Arrivé.